Bonsoir tout le monde, une fois encore, nous avons plaisir à chaque fois une chance présenter aux principales informations. Pas oublier au Soupigo réseau information. Nous sommes Sofia TV 83 et essayons qu'est content à chaque fois pour nous qu'est ou informer. Scandale passé par là entre commissaire Lafontaine et représentant RNDDH là, Pierre Espérance après réseau droit Mounio fin mette dehors un rapport qui épinglait directement comportement Jacques Sougabji corruption avec l'argent détourné sous quantité des armes été saisi dans opération Port de Paix avec l'église épiscopale. Bon là éclaté dans figi tout le monde accusation dans chacun et commissaire Lafontaine dédoublé après rapport a fin mettel tout uni dans cadre enquête yo joine commissaire ta volor et puis détourner en pile l'argent dans cadre accusation ça yo pour répondre chef pa capoton prince là lui même tout en retour vente Pierre Espérance sans l'argent sous certains dossiers que Pierre Espérance ta vinn mandé falsifier. Mesdames messieurs sous Chanel Paola Jacques Lafontaine dans micro la presse rapport monsieur Pierre Espérance lui dit que me protéger monsieur ça. Je ne sais pas comment je protège moi si je poursuivi. Je ne sais pas comment je protège pour moi si je pose des actes de poursuite contre lui. Il dit qu'il va protéger. D'autant que lui passe sur le territoire. Commissaire Lafontaine. Il vit à l'étranger. Commissaire Lafontaine. Ça m'a comme information. Je crois que mon source m'a fait confiance. Je peux toujours me tromper. Mais mon source m'a fait confiance. Dis-moi que FBI tendait M. Lindor et les États-Unis. Donc je ne sais pas comment je suis capable de protéger au monde que pas qu'il a poursuivi par acte formel, par acte administratif que nous avons à DCPJ. Donc voilà maintenant, si il y a un monde qui connaît, qui est capable de dire, pas me protéger tel monde dans un dossier comme ça, que le dit-il, s'il est dans mon corps qu'il dit, s'il est pour mettre mon corps qu'il dit. Mais maintenant, nous croyons que l'on monde tente pour le mentir, dans le niveau professionnel au monde, qui a expliqué ça de la journée comme bien expérience, mais c'est honteux. On ne peut pas mentir. Et comme ça, on va faire des rapports fabriqués de toutes pièces, fagotés de toutes pièces, pour qu'atteigner l'image. Même parce que ça, c'est assez, c'est trop, sans le trop, que M. Espérance doit se ressaisir par rapport à tout ça et qu'on a fait mentir sur nous. Et il faut que, parce que le pays a réellement pris voie de développement, et parce que tout le monde est capable de faire ça au café, dans l'espace qu'on connaît. Dans l'espace où étudier pour lui ou après pour lui. Je dis les condamnés à d'interférence que le commissaire et gouvernement près tribunal pour l'instant sport au Brest l'a fait. On a parlé de où dans le dossier ça. Donc, les Pierre fait référence avec acte d'interférence là. Qui ça dit ou même? Comment comprendre ça? Allô? Mais non? Que dans les commentaires et conclusions okay, rapport à l'IDH du dossier, l'église épiscopale là, ou là, commissaire? Il n'est pas arrivé dans les oreilles là. Oui, moi je dis comme ça que RNDDH, bon, à travers, comme c'est Pierre Espérance qui figure là, donc RNDDH, Réseau National de Défense des Droits Humains, et dans les commentaires et conclusions et rapport à il parlait de condamner, et bien, commissaire gouvernement a parlé de où? Qui a posé des actes d'interférence à dossier. À moins d'où ça dit ou qui ça? Ok, d'accord. Je réponds à cette question. Écoutez bien. Attendez, moi, c'est un maître dossier. Je suis le chef de la poursuite. Comment on est capable de parler? Bon, moi, c'est ça, son paresse cérébrale, son paresse intellectuelle grave. Pour moi, je dis que je fais interférence à dossier. Comment? Vous avez un maître dossier. C'est dossier lié. C'est mon chef de poursuite. Il t'a dit interférence, c'est si nous t'a posé leur acte. Il t'a constaté ça, lui. C'est si je t'appose un acte lorsque de s'arrêter un appel toi dans le cabinet d'instruction. Ok? C'est mon bail, délégation à des CPJ. C'est mon bail, mandat par un RI, agir là pour l'instruire. Donc, si je t'appose un acte lorsque de s'arrêter encore dans le cabinet d'instruction, il t'a carré, ça aura une interférence. Même pour ce sont paresses et spectaculairement graves que M. Atta fait là pour lui dire, m'a posé acte d'interférence, là, lui dit. Ça n'a pas de sens. Ça, M. n'a pas de sens. Ça, M. dit, il n'y en a aucun contenu juridique. Nous n'avons aucun base légal, je l'ai dit là, comme dans un acte interféré dans sa dossier. Par exemple, moi, c'est mon dossier où m'avait interféré dans la combat, comment ça va. Ce sont extrêmement grave, ça veut dire. Ça n'a pas de sens du tout. Du tout, pas de sens. Et moi, c'est ça, de revers demain. Commissaire, est-ce que jusqu'à présent, ou même, vous sentez que pas grand rien qu'on a reproché tête ou dans quatre dossiers, ça? Parce que
parlé toujours de rapport. Et dans la dernière conclusion, dans point 3, et RDDH souligne nécessité pour ta enquêter sur comportement ou dans le dossier ça tout, mais pour ta étant enquête ça, n'a cité sous son gagné comme patrimoine. Oh, écoutez, ça c'est de la foutaise. Ça c'est de la foutaise. Écoutez bien. Ça va permettre de faire pile l'argent, que les barrières en fait. Oui, attendez, écoutez, n'est-ce que ça ouvre dans le pays. D'accord? Ou même tout journaliste, je dis même à ton cas, vous regardez le fait qu'on lit le rapport seulement, c'est combien de choses, bah oui. Ou quand il tourne les gens, ou quand il tourne les gens, le fait qu'on pose une question, ça, c'est combien de choses, bah oui. Ou quand il tourne les gens, donc il y a des chiffres de tout dans la bouche. Mais ma vie pour plus d'espérance. Sous-président Jovenel Moïse, l'homme des commissaires sous-président Jovenel Moïse, dans le dossier son général, le premier personnage public qui était venu me rendre visible, qui vient là et moi, il s'appelle Pierre Espérance. Il était venu là et moi pour demander de si aussi à Mandayou. Et il est venu là et moi, il me dit, ça fait 3 ans et demi, là, ça devient là et moi, ça fait 3 ans et demi, il me dit non, c'est un dossier d'État. Donc, après, mon al défendre droit ou pas devant, qui de droit. Et que maintenant, aujourd'hui, après 3 ans et demi, il y a 1 an et demi en démission, dans 3 ans et demi, on a 2 ans pour m'arrêter à son patrimoine. Donc, dis-lui-même pour lui-même, quand il travaille, demandez-vous-moi, s'il vous plaît, où ça il a travaillé, dans quel secteur public ou privé. Il a travaillé pour tenir machine, on machine, 2-3 machines, on caille, 2 cailles, 3 cailles. Qui peut être travaillé pour faire où? Donc, il ne faut pas vous poser des questions sur. Tout le monde peut poser des questions sur le monde. Donc, il faut être capable de faire des demandes reconventionnelles. Donc, j'ai un droit pour me produire une demande reconventionnelle. Demandez-moi, je me dis, qui compte le travail tous les mêmes pour faire ça. Si vous avez le de compte capable de gérer là, parce que ça parle quand même d'un dossier qui. Oui, il s'agit de cela. C'est parce que le PHS est demandé, ma bille, je dis. Ma bille, parce que c'est honteux pour moi, ma bille, mais ma bille, ma bille, dans un homme d'État, non, maintenant vieil homme là. Maintenant vieil homme là pour me dire, c'est honteux de le dire, mais m'a dit quand même. Bien sûr, ce mandat pour me classer 108 dossiers plaintes. Et monsieur, mon chéri, t'es porté contre lui dans le paquet. Qui dit que l'on gang, qui dit que l'on gang, et il est tenté 3 fois pour t'assassiner. Me dit non, Pierre, ce sont des accusations graves. C'est vous-même pour qu'elle défende quête ou pas devant le juge, un juge d'instruction. Mais moi, je vais classer 108. Mais ça me déville comme réponse. Et depuis là, ça. Commissaire, qu'on dit l'autre là. On peut une déclaration faire là. Qu'on dit l'autre là. Non, ça me doit saluer, oui. Ça me doit saluer. Je suis témoin pour ça. Je suis témoin pour ça. Non, mais qui sont faits. Parce que là, c'est son... c'est grave quand même pour t'a osé venir demander ça. Mais qui sont faits comme autorité ou même. Qui est la réaction? Il parti non plainte. Nous comprenons passé. Le rapport n'a pas parlé, c'est sous dossier qui implique l'église épiscopale là. Donc on est dans le dossier cargaison ZAM que vous avez joué dans l'aéroport, pas aéroport, mon Dieu. Dans la douane, pas au Brest là. Donc il y a des gens qui ont arrêté et il y a des gens qui en cavale. Donc Père Désiré. Déclaration faite qui est pour avec Pierre Espérance au député Vidmando pour que au classé sans suite plainte Fidnel mon chéri, moi-même demande comme autorité qui tes réactions. Oui, puisque ça, son outrage à la justice. Donc, comme dit, non, nous te balançons de nous recevoir. Nous lui, à ce moment-là. Nous dit, monsieur, non, je ne peux pas agir de cette manière parce que l'accusation peut être contre lui grave, il est suffisamment grave pour qu'on aille devant le juge. De fait, nous avons déféré le dossier par devant le cabinet d'instruction. Ils répondent déjà à la question du juge, non? Non, mais dans ça, c'est au juge, pas vrai, saisi du dossier de. Par contre, on a cette tête qu'il y a, parce que vu que nous avons laissé en bas, nous avons quitté en bas une pression bandit, et que par la suite, voilà, aujourd'hui, problème de sécurité, manifestation partout dans les rues. Donc, le cabinet d'instruction par rapport à fonctionner à plein rendement. Donc, en cette phase, je ne sais pas qu'on est, qui a qui pose la main. Moi, pour ma part, je vais déférer le dossier à notre cabinet d'instruction. Et là, c'est en face. J'ai le téléphone et que l'idée est en face. Ah, ok. Elle dit, nous parlons dans le téléphone et il est en face pour dire ça. Oui, je ne connais pas maman qui m'a payé. Elle dit, monsieur, non. Elle dit, non, c'est non. Et puis, j'étais persisté pour classer ça. Je me dis, non, je ne vais pas casser. Voilà la raison pour laquelle je suis parti en guerre au loin.
on y encore. Et moi, m'a dit, Gabriel, pas aucun monde pour entrer dans le dossier ça. Mais aucune personne, mais aucune. Et toutes les personnes importantes qui impliquent dans le dossier, il y a un acte de poursuite conscience qui arrête en. Et que nous ne sommes pas la réalité de millions de dollars, la vie aux États-Unis, et que du coup, le territoire haïtien est posé un coup contre lui et mandé des CPJ pour lui étendre la délégation de Bayoua jusqu'à Interpol pour capable faire, pour répondre de ça au prochain. Et que nous n'avons aucun monde pour la donne, et nous n'avons aucun monde, mais aucun monde pour la donne, et moi, vieille dans ça. Mm-hmm. Ok. Pierre Espérance, oui. On va parler là. Donc, c'est responsable RNDDH qui a pris le gros dossier, les traités. Et c'est la première fois que ça arrivait pour le fond, on demande. Comme ça? Ah, pas la première fois. Tout le monde, ça m'a demandé. Tout le monde, c'est un avocat. Non, mais est-ce qu'il faut qu'on fasse des demandes, on dit. Anormal, impensable. Il n'y a pas de douleur la guerre. Il n'y a pas de demande anormal. Il m'a demandé pour me déclarer son dossier. Il me dit non, je ne peux pas. Donc, vous êtes tout le monde qui se demande. Tout est comme ça, je fais seulement. C'est demander. OK? Commissaire La Fontaine. Je ne vais pas dire comme fini. Je ne vais pas dire ça. OK. Je ne vais pas dire encore. On quitte et Pierre Espérance sous côté. On a le rapport là. Et on a le produit à ce dossier épiscopal là. Et dans le rapport ça, RNDDH reprocher deux bagages fondamentales et nous allons laisser garder ça avec vous. Pour voir là, reprocher que c'est vous-même, comme commissaire gouvernement, qui recommandez propriétaire conteneur ou avocat. Il a parlé là de maître de Mesa. Comment dit rapport là, nous avons point 86 rapport. RNDDH reprocher ou quelques bagages, moi je prends deux là-dedans, me souligner et je t'ai remis un commentaire sur ça. Et premier élément, c'est que vous reprochez au comme monde qui t'a recommandé propriétaire conteneur ou avocat. On a parlé là de mettre des Mesa. Alors que c'est commissaire gouvernement qui a fait la chose de ça. Petit patience. Mettre la faute à votre patience. Deuxième bagaille, et NDDH reprochez au. On a venu sous pause là, et Marc Joël. Deuxième bagaille, NDDH reprochez au. Alors que dossier a été devant cabinet d'instruction, ou même ou continue à mener l'autre enquête. Parallèlement, là, m'a parlé en fonction de la pointe de DH là. NDDH allait plus loin pour dire que vous mettez focus là sur l'église épiscopale. Il y a des gens qui clairement identifié qui ont un rapport avec colis, avec conteneurs, pas jamais arrivé sur eux. Réaction. Oui, ok. Mais qui est-ce qu'on dit? Est-ce le Baden non? Oui, identifié. Par exemple, Rémi Lédor. Rémi Lédor. Oui, citoyen ça. Non, et pas Samdoula, je vais répondre à la question déjà. Moi, nous, que Rémi Lédor vivent en terre étrangère, nous n'avons acte pas dans le CPJ de Mandel pour poursuivre le feu en terre étrangère étant. Donc, comment on a les messieurs? Comment on a fait une chose et son contraire à la fois? Comment on a protégé le monde en même temps pour poursuivre le baron dans le monde? Il va y sortir. Ça fait une deuxième chose. Où dit-il que moi, je vais Rémi Lédor avocat? Moi, je dis non, c'est pas vrai. J'explique que c'est notre cabinet. De Mesa Ronald qui n'a ouvert Guam d'aller. De Mesa, c'est mon cousin. Je dois l'avouer. C'est mon cousin. Nous sommes petits, on fait au seul. Maintenant, pour l'histoire, pour la vérité, je suis le cabinet de Mesa deux mois avant de démissionner en 2020. Dans le bureau côté de l'IA, de l'Ouvre Guala. Je suis mal encore. Pas une seule femme, je ne passe dans le bureau ça, du tout. Deux mois avant de démissionner. Bon, comment on ne peut pas parler? Comment on ne peut pas parler pour l'avocat? Bon, je me dis que c'est un téléphone. Rémi Lédor est relevé. Ah, mais mes téléphones sont là, je vais changer de boîte, je vais changer de signe. Ah, mais qui a mis l'enquête sur le téléphone pour voir est-ce que Rémi Lédor est relevé? Ah, bah, on va dire que c'est simple, oui. Est-ce que Rémi Lédor est relevé? Vous dites que ça me fait brûler, mais là, mes téléphones sont là. Ok? Donc, maintenant, je me dis, je répète, monsieur, je ne aucun monde m'a protégé dans ça. Et que de premier acte, on pose la rebut, pas vraiment. Deuxièmement, nous, chaque cabinet d'institution, on pourrait tout cabinet d'institution déjà en partie. Donc, je ne parle rien, je ne parle pas là-dedans. Pourquoi pas rien faire là-dedans? Je ne parle pas de la main encore, je ne parle pas de tout le monde, je ne parle rien. Donc, maintenant, je suis dans la discussion. Donc, avec moi. Donc, c'est des bagages que j'ai fait pour mettre l'image du monde et que parce que justement, il n'y a rien tiré dans moi. C'est fini. OK?